Li deja 7h nan tout studio Télévision Nationale d'Haïti, Delma 33. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous pour nous capables présenter toutes les informations qui a dominé l'actualité. Déjà, nous présentons rapidement grand point qui a dominé l'actualité. Président de la République, Jovenel Moïse, a continué la visite à l'IAFE sur le continent européen. Chef l'État a participé à Yen dans le sommet. On seul planète là dans cadre bataille cap mené contre réchauffement climatique là. Ancien ministre de justice et sécurité publique sous gouvernement transition maître Camille Edouard Junior répond invitation chef paquet Port-au-Prince là maître Oknam Clamé Damius mardi 12 décembre là sous divers dossiers. Deux individus condamnés pour passer 3 à 4 années en prison, yon lot joué libération li, c'est bilan premier journée assise criminelle avec et sans assistant jury qui a déroulé quoi des bouquets. Et puis à l'étranger, président américain Donald Trump en jouré sénatrice en New York là li accusé qui capable faire n'importe bagaille pour l'argent à cause sénatrice là te fin mandé pour misser capable démissionner parce que président américain gain accusation tisonnaille sexuelle qui pesait sous dolé. C'est point ça yo à quelques n'a gain pour nous capable porter pour dans journal là, rete pas déplacé n'a porte pause n'a tout à l'heure. Merci pour fidélité et attention. Nous retournons pour nous capables de développer information pour vous. Et nous disons dans grand titre, président de la République, Jovenel Moïse, après poursuivre la visite à l'IAFE sur le continent européen. Chef d'État a participé à Yemadian dans le sommet On seul planète dans le cadre de la bataille cap mené contre le réchauffement climatique. Le président Jovenel Moïse a plaidé pour être capable d'impliquer le gouvernement dans la prévention et la réponse dans le moment catastrophe. Le chef de l'État haïtien souligné ensemble disposition administration y en prend pour capable protéger l'environnement par Boïcite. Précision président République là, Jovenel Moïse. Je dois dire qu'Haïti a connu. Pendant les 10 dernières années, bon, pour ne pas dire les 13 dernières années, de 2004 à 2017, des catastrophes naturelles à répétition. Mais l'ouragan Mathieu, l'année dernière, nous a laissé plus de 30% de dégâts. Quand je parle de 30% de dégâts au niveau de notre PIB, cela veut dire que Haïti a connu des dégâts qui dépassent les 2,5 milliards. Et cette année, je veux parler de 2017, parce que nous avons une saison cyclonique très longue. Entre le 1er juin et le 30 novembre, l'ouragan Irma nous a laissé des inondations aussi sur le nord. Je dois vous dire qu'Haïti est dans une zone extrêmement fragile et nous faisons partie des pays insulaires, je veux parler des îles de la Caraïbe. C'est important aujourd'hui de réfléchir, je veux parler des pays de la Caraïbe, de ne pas réfléchir en un seul pays. Il faut voir les pays qui se trouvent dans la Caraïbe parce que nous avons un problème extrêmement grave au niveau des assurances. Je prends l'exemple de 2016. Nous avons eu des dégâts évalués à 2,7 milliards de dollars et la couverture d'assurance que nous avons nous a donné 23 millions de dollars. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir premièrement à une couverture d'assurance pour la Caraïbe. Là, on parle de One Planet. Je pense qu'il faut parler de One Caribbean. Parce que les pays de la Caraïbe, nous sommes tous menacés par ces catastrophes. Et deuxième chose, c'est la bureaucratie. J'ai entendu beaucoup de choses là pour l'Afrique. J'ai entendu beaucoup de choses aussi pour d'autres pays. Mais je dois vous dire,
comme mon frère de Sainte-Lucie, le problème de la bureaucratie est un problème extrêmement grave. Parce que Haïti, pays insulaire, les ouragans ne vont pas nous attendre. Par exemple, nous sommes en décembre 2017. Ça peut arriver qu'aujourd'hui, il y a en fait une décision, je dirais, politico-économique pour ces pays. Et puis, deux ans après, nous attendons encore cette aide. Premièrement, il faut que l'aide soit donnée au gouvernement. C'est une ce sera une très bonne chose parce que aujourd'hui, les gouvernements, je prends l'exemple d'Haïti, nous savons exactement ce que nous avons comme problème et les solutions, nous sommes en train de réfléchir sur des solutions alternatives. Je prends l'exemple de l'énergie. Nous sommes en train de travailler pour que l'énergie renouvelable, la matrice énergétique d'Haïti soit une matrice verte. Je veux parler de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, de l'hydroélectrique et de la biomasse. Deuxièmement, parlons maintenant de l'environnement. Nous sommes en train de mettre sur pied, d'ailleurs nous avons inauguré le mois dernier notre premier centre Germoplace. Nous avons des pépinières de 4,5 millions de plantules sur chaque département. Nous avons 10 régions à travers le pays. À la fin de 2018, nous allons avoir 10 pépinières de 4 500 000 plantules chacune. Et au niveau de l'école, dans le curriculum de l'école, il sera une obligation pour les élèves, parce que nous avons 4 400 000 élèves qui vont à l'école chaque année en Haïti. Chaque élève sera bien obligé de faire la mise en terre d'une quantité de plantules. Ce sera obligatoire, ce sera en fait dans le bulletin de l'élève. Justement pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes en train de prendre des initiatives, c'est une très bonne chose de voir, de regarder le gouvernement et de travailler un petit peu plus vite parce que les ouragans ne vont pas nous attendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Président français Emmanuel Macron, dans le cadre de sommet SILA, poursuivi à Paris, a encouragé pays qui étaient signés à COSILA pour capable respecter l'engagement dans le cadre de bataille contre le réchauffement climatique. Le président français a parlé sur l'agent qui permettait en place pour capable accompagner l'État SILA. Président Emmanuel Macron, pour plus de détails. Je voulais en quelques mots, parce que ce qui compte, c'est les engagements qui vont être pris et tout ce qui va se dire durant les trois panels. Je vais vous dire que ce qui est en train de se jouer ici est une nouvelle étape de notre combat collectif. Et je le dis devant beaucoup de jeunes qui sont présents dans cette salle et que je veux aussi saluer. On est en train de perdre la bataille. Il ne faut pas se tromper. On passe un très bon moment. Tout est formidable. Parce qu'on se retrouve, il y a beaucoup de gens qui s'apprécient ou qui se découvrent, et ça peut paraître un très bon moment. Mais on est en train de perdre la bataille. Alors ceux qui étaient avant nous avaient une chance. Ils pouvaient dire « on ne savait pas ». Et c'était vrai. Depuis quand même une vingtaine d'années, on sait. Et on sait à chaque fois un peu plus. Parce qu'il y a eu les travaux remarquables du GIEC, qu'on va continuer à financer, à protéger, d'énormément de scientifiques internationaux, avec il y a encore quelques semaines un appel de 15 000 scientifiques quand on était ensemble à la COP à Bonn, présidée par Fidji. Maintenant, on sait très bien. On sait, et il y a deux ans, jour pour jour, un accord a été signé à Paris pour la première fois où la quasi-totalité de la communauté internationale a décidé de prendre des engagements. Alors certains ont dit c'est pas assez, ces engagements ne sont pas fermes. Il y avait déjà un début, c'était la première fois. Nous sommes deux ans après cet accord de Paris. Donc on sait chaque jour un peu plus la gravité de ce qui se passe. On a signé un accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a des décisions ou des velléités de quitter cet accord. Très mauvaise nouvelle. Et si on est là, ici aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ont décidé de ne pas forcément accepter
la décision du gouvernement fédéral américain de quitter l'accord de Paris. N'a pas poursuivre avec information, n'a quitté sommet. Responsable institut formation technique et professionnelle Haïti Tech, mettez campé un programme de formation en électricité à partir de soleil là, cap duré de l'année. Initiative ça réalisé grâce à CIPOSELF qui permet à Haïti Tech bénéficier un laboratoire électricité soleil qui facilite étudiants yo faire expérience dans domaine cela. Rachel Saint-Fort et Jonadisan Bozila a présenté nous un compte rendu. Panneau solaire permet de expérimenter différentes techniques pour faire installation matérielle qui gain rapport avec énergie solaire. C'est parmi objectif responsable Haïti Tech à travers formation y a fait pour jeunes dans domaine pour faciliter formation ça responsable Haïti Tech dit yo recevoir un laboratoire électricité solaire dans main Solar Electric Light Fund SELF. Programme formation a duré 2 années. Il démarré dans mois octobre passé à d'après précision responsable Haïti Tech Yobay. Il y a des modules qui lient à design, à conception système là côté on peut étudier au dessin, au fait dessin, yo fait étude de sous-système yo, étude de rayonnement solaire, étude de ressources énergétiques là. Nous avons des modules qui ont rapport avec installation même, c'est-à-dire étudier inverteur, différents types d'inverteurs qui existent. Nous avons un module sur racking, panneaux solaires, étudier rack, il y a différents types de rack qui sont utilisés en Haïti et à l'international. Donc, il y a une structure qui est faite sous toit, sous locaille, il y a une structure sous poteau, il y a une structure dans le ground, dans terre. Donc, il y a toute structure en Haïti avec côté étudiant capable d'expérimenter. Ensuite, nous avons un étudiant pour aller dans des tensions qui arrivent jusqu'à 800 vols et il va monter, ok, il va aller faire des installations en hauteur. Donc nous avons un module tout sur santé et sécurité. Nous avons montré l'équipement de protection, comment protéger tout contre l'énergie. Il y a un inverteur et Schneider qui est très installé tout en Haïti. On dit inverteur, donc étudier avec expérimenter. On dit la connaît, quel que soit ça, il doit faire ça, le café sur inverteur. Donc on a le stacking, stacker plusieurs inverteurs ensemble et faire gestion système via l'internet. Donc, étudiant capable de faire tout ça avec inverteur et Schneider. Fritz Dominique, superviseur programme électricité solaire, déclare qu'il aurait été ouvert à toute institution qui a besoin de formation en question installation panneaux solaires, réfrigérateurs pour vaccins. D'après précision Libay, il y a un technicien qui forme, qui a une capacité pour installer n'importe système dans le domaine ça, selon norme internationale. Quelques institutions qui ont besoin d'énergie capable de bénéficier de formation ça. Première étape là, c'est état des lieux. L'institution fait appel à eux-mêmes, on va regarder qui problème qui gagne, on va regarder qui ça gagne, qui ça qui est sous place. Et puis après ça, on fait conception système. On planifie un système pour client ça. On dit l'offre une planification système depuis que client exécuter deux vols là, donc on l'exécuter là. On va faire câblage, piping et ensuite on va faire entretien. Système. Pour bien former, et donc on a quoi, nous avons un module côté nous montrer étudiants comment faire formation avec les utilisateurs. Elle dit le fin installer, c'est pas fin installer, puis aller. Fin installer, puis expliquer client, expliquer consommateur là comment il est capable de protéger l'appareil là, comment pour lui gérer l'appareil là, comment pour lui faire entretien dans le système. Responsable Haïti Tech, il parle sur l'importance de l'énergie solaire qui est une énergie renouvelable qui a gaspillé dans le pays. Yo expliquer Haïti gagne une capacité qui plus élevée passé en pile l'autre pays qui développait énergie ça. Yo souhaité autorité concernée yo faire promotion sur avantage énergie ça bail une manière pour faciliter plus monde utiliser. Merci Rachel Saint-Fort, nous prêt aller dans question justice et nous te dit li dans grand titre ancien ministre justice et sécurité publique sous gouvernement transition maître Camille Edouard Junior répondant invitation chef paquet Port-au-Prince maître Oknama Clamé Damius hier mardi 12 décembre. Maître Napoléon Lotio, un avocat Camille Edouard Junior, expliqué ancien ministre répond à question commissaire gouvernement Port-au-Prince sur divers dossiers. Yon l'autre bord, avocat déclaré mandat d'abné qui était décerné contre maître Camille Edouard Junior a li levé. C'est quoi pas qui ak Moïse Woodbridge est sur place. À partir du moment où Mounsa li présente devant
commissaire devant commissaire na kasa mandat tombé automatiquement. Donc pour qui ça fait commissaire lui-même il estime que l'important pour inviter convoquer l'ex-ministre Camille Edouard devant c'est parce que il gagne des dossiers côté que li besoin des éclaircissements. Li te besoin tande ministre lan sou dossier sa yo. Maintenant, comme sous tout dossier que qui portait devant commissaire, li gon un contrôle d'opportunité que le gagne sous tout dossier. Autrement dit, supposons que le saisit par une plainte, il saisit par un dossier. Il faut que, en vertu de ce du pouvoir de contrôle d'opportunité que quelqu'un sous tout dossier qu'il a traité, il est capable d'inviter yon moun vin devant. Cependant, pouvoir de contrôle d'opportunité, c'est que le commissaire du gouvernement gagne, il n'est pas doué assorti de aucune contrainte, aucun caractère, il n'est pas doué gagner aucun caractère coercitif. Comme suite à mesure interdiction de départ là, que le commissaire gouvernement te prend compte ex-ministre là. Par la suite, le ministre n'a pas présenté et que le dessert des mandats d'amener à compte lui. À ce moment-là, nous-mêmes, comme avocats d'expérience, avocats expérimentés, nous avons hésité pour nous te comparer avec lui. Pour qui ça? Parce que l'été vraiment tout avocat qui expérimenté lit toujours pas voulu accompagner client devant le gouvernement parce que de fait qu'on vient devant le commissaire gouvernement qui représente une menace pour liberté client. Donc voilà pourquoi tout avocat qui expérimenté lit pas venu devant le commissaire gouvernement avec client comme ça pour justement pour essayer protéger liberté client. Maintenant, le ministre vient trouver nos situations. C'est comme si Ndadou c'est un animal traqué. Parce que face à la force, un citoyen ou gagne deux possibilités. Ou bien on obéit, ou du moins la force exécute mesure exécutoire à la contre. N'a continué dans même registre là, commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Oknamakla, mesdames et messieurs, expliqué ancien ministre justice et sécurité publique là, maître Camille Edouard Junior, répondant à plusieurs questions sous divers chefs d'accusation. Chef paquet tribunal en première instance en Port-au-Prince fait connaître ancien ministre là a gagné pour capable retourner dans paquet Port-au-Prince dans date 10 janvier 2018. Là, toujours dans le cadre suivi dossier acquisition Sayo et puis annoncé interdiction départ contre ancien ministre là, toujours Kembe, pendant les voyages des paroles persécution politique, les dit qu'a fait contre maître Camille Edouard Junior. L'itinamico Saint-Croix Paki à Moïse Oubouch. Dans un premier temps, que M. Camille Edouard Junior t'a choisi pour ne pas répondre à l'invitation, et la loi confiée à commissaire gouvernement, lorsque lui invite un citoyen pour le présenter devant la justice et que citoyen manifeste un certain refus par rapport à une telle invitation, laisse ça. La justice doit utiliser tous les moyens contraignants pour exiger que citoyen ça présenté devant la justice. C'est pour ça que le commissaire gouvernement a trouvé dans situation pour te faire une application de façon lato sensu et non stricto sensu de l'article 30 du code d'instruction criminelle là. Il dit lorsque au besoin tendez on monne qu'il pas disponible commissaire gouvernement capable ordonner ça veut dire commissaire qui prend décision que relé ordonnance et ordonnance ça li relé
mandat d'amener qui exigeait que la personne concernée, la personne intéressée, pour lui présenter devant parquet. Effectivement, t'es signé un mandat d'amener contre ministre là, objectif, faut qu'il te présenté devant la justice ou bien la police te mène devant la justice. Il choisit, accompagné de ses avocats, yo présenté devant le commissaire gouvernement. Le commissaire gouvernement procédé à auditionner et l'elfin tende concerné à li estime gagner un ensemble d'informations pour concerner à partager avec la justice. Maintenant lui-même comme ancien ministre, li gagne pour consulter staff li pour gagner des dossiers, documents qu'elle besoin gagner. Donc li entendre avec commissaire gouvernement pour yo capable pour venir répondre question paquet le 10 janvier 2018. Pour moun pas répéter question persécution politique ici encore, parce que un monsieur de la trempe, m'a dit commissaire gouvernement non, déclamé au CNAB d'Amérique qui s'est respectueux de la loi, n'a pas gain droit utiliser persécution politique pour m'bay moun problème. N'a toujours été dans même dossier la justice et nous te dit dans grand titre tout gagné deux condamnations et puis yon accusé libéré c'est bilan première journée lundi 11 décembre à ce criminel là dans tribunal la première instance d'après doyen tribunal la Croix de Bouquet Lionel Dimanche doyen fait connait gagné une série de cas qui a gagné pour à kidnapping drogue avec l'autre qualité zaka criminel y a bien pour capable tendre pendant assise là cap gain pour li capable botan 22 décembre qui a venu là. Toi tribunal a fait connait li compter sur tout acte qui impliqué dans processus là pour assise yo rive réussi comme sa droit. Un extrait dans déclaration. Il y a plusieurs cas, il y a des cas aussi des cas de stupéfiants aussi que on attendait pendant la session. Donc nous quoi Jean qu'a constaté et siège et a fonctionné là. Hier, c'était une réussite totale, côté que tous les trois sièges je prends, un siège avec assistant des jurés, l'autre siège, et sans assistant des jurés, tout est réussi. Donc, tu as le cas du que tu as deux condamnations qui sont sorties dans la première journée, et avec un cas d'acquittement. Donc, tu as siège avec assistant des jurés, un jury a été déclaré non coupable. Donc, et accusé ça t'est libéré. Donc nous croyons que c'est une belle session, que nous participons à une belle session, et ceci grâce avec support tout magistrat, et nous avons dit commissaire Croix des Bouquets, et le parquet, le décanat, donc nous avons sécurité taille, en tout cas constaté le bon ici à tout. Donc nous tous mobilisés, et nous profitons pour nous voir un gros coup de chapeau, non seulement pour tout magistrat, mais cependant, nous avons juge qui est Dubé Duny. Ça a vraiment. Et pas marchandé folie pour permettre que nous gagnions pour assister à réussir. La difficulté nous rencontrer effectivement, quand on a un bon siège qui est en retard, c'est à cause de l'extraction qui est supposée faire plus bonheur. Donc, pas qu'à communiquer avec nous, dit que l'extraction allait, mais cependant, prison est en retard pour nous venir. Donc, nous profitons des micros pour nous lancer appel à responsable prison pour que nous gagnions accusé de très tôt, ça qui permettre que nous commençons avec l'audience. À l'heure fixée par la loi. N'a pas entré dans question école professionnelle, activité académique yo paralysée dans l'école professionnelle JB Damien depuis environ 3 semaines à cause professeur yo ta fait grève. Yon équipe à télévision nationale d'Haïti te fait visite mardi 12 décembre dans espace l'école Sila. Willy Noël, Henri Robert Chéri a dit nous plus. Nomination, bon genre conditions de travail, c'est principales revendications grève professeur qui paralysait fonctionnement l'école professionnelle JB Damier depuis plus passé 2 semaines. Une situation qui a un mauvais impact sur l'année académique là. Depuis un professeur campé il pas travail, ça vient affecter programme là. Parce que nous gagnons chaque semaine nous gagnons un chapitre pour nous. Eh bien, ça va dépendre de l'État avec le professeur. Parce que nous avons supposé composer en août, si Dieu le veut, qu'on y a là pour l'État, étudiant comme si troisième année, étudiant sortant.
si on a là l'état fait pas de problème n'a fait face ensemble avec l'IA là, c'est eux même qui pour avancer et examen pour nous et puis pour chita pour ensemble avec professeur qu'on a perdu pour compte qui j'en a récupéré. D'après coordonnateur étude l'école professionnelle JB Damien Fritz bien-aimé, il y a des démarches qui étaient déjà faites pour résoudre la crise là. Des démarches nous déjà entamé déjà avec nos chita à plusieurs reprises avec direction INFPA et pour crise à ta résoudre, mais jusqu'à présent, problème n'a pas qu'on résoudre parce que Naptan et INFP avec au déconseil avec sous-professeur, problème n'a pas qu'on résoudre. Donc, même en tant que dirigeant, chaque jour, nous sommes obligés de venir dans l'heure que nous disposons et disponibles pour si nous pouvons recevoir étudiants et recevoir l'autre monde qui vient dans le centre. Bâtiment l'école professionnelle JB Damier, qui était écrasé pendant le tremblement de terre de janvier 2010, rend conditions d'apprentissage difficiles. Président du comité central JB Damien, Daniel Dauphin, annoncé pour le faire un deuxième sit-in devant le local Institut National Formation Professionnelle 18 décembre Cap Vinila. Et nous avons quitté Pablo Lacay, nous avons aller dans le pays étranger et puis près Lacay, nous avons aller dans le pays États-Unis, puisque pour la première fois, le pays États-Unis invite la Corée du Nord venir boiter une négociation sur les affaires armes nucléaires. Chef diplomatie américaine dit pays le paré pour capable rencontrer avec autorité nord-coréenne sans aucune condition, n'importe côté, sous n'importe sujet qui ouvre. Annonce plus de détails à Kyo News. La main tendue des États-Unis à Kim Jong-un, le chef de la diplomatie américaine, a invité pour la première fois la Corée du Nord à la table des négociations sans conditions préalables. Jusqu'ici, les États-Unis n'étaient prêts à discuter que de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Rencontrons-nous, parlons de la météo si vous voulez, ou discutons pour savoir s'il faut une table carrée ou ronde, si c'est ce qui vous fait plaisir, a lancé Rex Tillerson. Mais au moins voyons-nous face à face et ensuite on pourra commencer à établir une feuille de route de ce vers quoi nous voudrions aller. Les États-Unis restent cependant déterminés à obtenir par tous les moyens que Pyongyang renonce à l'arme nucléaire, y compris par la force. La Corée du Nord a tiré fin novembre son dernier missile qui serait capable d'atteindre le territoire continental américain. Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires politiques, qui revient d'une visite en Corée du Nord, a déclaré que Pyongyang serait d'accord pour considérer qu'il est important d'éviter une guerre avec les États-Unis. Ils ne se sont engagés à rien à ce stade, je pense qu'ils vont réfléchir à ce que nous leur avons dit avec leurs dirigeants, a ajouté Jeffrey Feltman. Kim Jong-un a lui alimenté la guerre des mots ce mardi en déclarant vouloir faire de son pays la puissance nucléaire et militaire la plus forte au monde pour sortir victorieux de l'épreuve de force avec les États-Unis. Toujours dans le pays États-Unis, bouche l'ouvrir entre président américain Donald Trump et sénatrice New York là sous question tisonnaille sexuelle qui pesait sous dos chef l'État américain. Président américain a ensuite les accusé sénatrice là comme un monde qui prêt pour faire n'importe bagaille pour l'argent. En nous suivre. Ces femmes sont toutes des élues démocrates à la Chambre des représentants. 54 d'entre elles demandent l'ouverture d'une enquête sur les accusations de harcèlement sexuel formulées contre Donald Trump. Brenda Lawrence du Michigan a souligné le fait qu'un autre président avait déjà été mis en accusation pour comportement sexuel inapproprié avant d'ajouter « Monsieur le Président, les lois sont les mêmes pour tous ». Donald Trump s'en est pris lui ce mardi par tweet interposé à la sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand. Celle-ci avait demandé sa démission. En réponse, le président américain a affirmé dans une formulation chargée d'ambiguïté qu'elle était prête à tout pour de l'argent. Kirsten Gillibrand a dénoncé en retour des calomnies sexistes visant à la faire taire. Loin d'apaiser la situation, le tweet du président américain a suscité l'indignation. Jackie Speier, qui représente la Californie à la Chambre des représentants, s'est dit choquée par la réaction de Donald Trump, qui prouve une nouvelle fois, selon elle, son incapacité à exercer la fonction de président des États-Unis. La Maison-Blanche, elle, a vigoureusement contesté toute connotation sexuelle. L'Américain a expliqué que Donald Trump dénonçait seulement le clientélisme et la place de l'argent dans un système politique qui ne fonctionne plus. À ce jour, 17 femmes accusent le locataire de la Maison-Blanche.
cartons blanches, d'attouchements sexuels ou encore de baisers forcés. Trois d'entre elles ont déclaré publiquement ce lundi avoir été harcelées par Donald Trump pendant des décennies. Et sous ces dernières informations, ça y est, que nous avons dit au babay, mais avant que nous allions, permettez que nous appelions au grand point qui dominait l'actualité. Président de la République, Jovenel Moïse, continue visite li a fait sur le continent européen. Ayer mardi, un chef d'État a participé dans le sommet On Seule Planète, là, dans le cadre de la bataille cap menée contre le réchauffement climatique. Là. Ancien ministre de Justice et Sécurité publique sur le gouvernement transition, M. Camille Edouard Junior, répond à l'invitation du chef paquet Port-au-Prince, M. Oknama Klame Damius, ayer mardi 12 décembre sur divers dossiers. Trois individus condamnés et puis pour passer 3 à 4 années dans prison et puis yon lot jwenn libération li, c'est bilan premier journée assise criminelle avec et puis sans assistant jury qui a déroulé dans tribunal premier instance en Croix des Bouquets. Et puis à l'étranger, président Donald Trump jouré sénatrice New York là, li accusé qui capable faire n'importe bagaille pour l'argent après sénatrice là té fin mandé pour li capable démissionner dans tête pays États-Unis à cause président américain Donald Trump tagué accusation tisonnaille sexuelle qui pesait sous dolé. C'est pour ça que nous te développer pour nous te content ensemble avec vous pour nous être capable informer vous. N'a pas surtout passé un très bon mercredi. Rendez-vous avec moi, c'est demain matin et puis branché à 8h, mise au point côté que nous parlons pour nous recevoir professeur Jean-Renol Jean-Pierre. Bonne journée tout le monde.